là-dedans. Ici, aux éditions du Cherche Midi, c'est votre premier livre, étonnamment. Ouais. Jamais on vous avait demandé auparavant de vous raconter. Si. N'aviez pas eu envie. Non. Vous racontez comment c'est venu d'ailleurs, hein, dans le bouquin, la genèse de ce livre. Oui, parce que c'est pas du tout un truc de mémoire, hein, c'est pas une biographie, c'est simplement, j'invente tout ça, hein, oui. Tout est inventé. Vous inventez un dialogue avec une voisine? Oui, une voisine, j'aurais voulu, qui est une voisine noire, et qui... j'ai pas envie de raconter mon livre. Non, mais quand même, est-ce que c'est parce que vous vous ennuyez que vous l'avez écrit? Parce qu'en gros... Non. Ah. Non, je ne sais pas très bien pourquoi j'ai écrit ce livre. Ah. Je l'ai écrit, j'avais dit je cesse le théâtre, je cesse tout, j'avais décidé de tout stopper. Et puis, il y a eu un bel été, enfin, je savais pas trop quoi faire, mais je m'ennuyais pas. Et l'éditeur a beaucoup insisté, gentiment, et j'ai essayé, voilà, et puis voilà. Sauf qu'au début, vous le racontez, vous vouliez écrire un livre érotique, et l'idée vous est venue en voyant Jean-Paul II. Alors là, il faut que vous m'expliquiez. Mais non, c'est dans le livre, naturellement, c'est inventé tout ça. Ah bon, ouais. Ça c'est pas vrai, l'histoire du livre érotique. Moi j'ai pensé que vraiment vous vouliez faire un livre érotique au départ, moi j'ai cru la moitié de ce qui était... Non, c'est la drôlerie, je pense, il y a drôlerie du livre, c'est que je raconte des choses totalement inventées, je suis un peu dingue. Par exemple, on n'a pas eu de gorille comme partenaire. Non. Ah, parce que ceci, c'est dans le bouquin ça aussi. Donc vous avez inventé le fait que vous ayez eu un gorille. Mais j'ai tout inventé. Tout. Moi je pensais qu'il y avait des anecdotes vraies là-dedans. Il y a des choses vraies, faut voir, faut deviner. Je sais pas, ce bouquin, j'ai l'impression que ça sonne comme un livre qui dit « J'existe encore, Maria ». Oh non. Non ? Ça veut pas être ça du tout, non. Non, enfin, c'est paradoxal. Vous racontez aussi qu'en gros, on vous appelle plus, on vous téléphone plus, et qu'on vous propose... Mais non, là, j'ai eu le malheur, dans une émission, de le dire, et depuis 3 jours, je suis bombardée de coups de téléphone vraiment très... N'appelez plus, oui, n'appelez plus. N'appelez plus. Parce que le côté, on vous est toute seule, on vous... Mais si, ça va très bien. J'ai simplement dit à un moment que le métier, j'ai braillé, j'ai hurlé que je ne voulais plus faire de théâtre, plus de cinéma, plus de télévision. Bon... Et c'est tout, c'est une décision. Alors naturellement, il ne m'appelle plus. Alors j'ai simplement dit, le métier ne m'appelle plus. Mais je n'ai pas dit, il y a ma famille, il y a mes amis, tout cela. Il reste, puis alors le côté larmoyant, ma pauvre, vous êtes toute seule. Mais non, ça va très bien. je ne peux plus, là, j'ai... Quand même, vous penchez aussi sur la vieillesse. Vous dites que ce n'est pas si marrant que ça. Mais bien sûr que ce n'est pas drôle. Mais c'est très difficile, c'est pour ça que je dis, je le fais par amitié pour vous de venir, mais c'est très désagréable de parler de son livre. Alors quand même, vous racontez... C'est difficile, alors, vous donnez des extraits qui ne me plaisent pas du tout. Alors, je vais dire, vous racontez que vous êtes rendu compte que vous étiez plus âgé que vous ne pensiez à cause de, tiens, ça s'est passé pas ici, mais en tout cas un samedi soir, à cause d'Ardisson, la fameuse fois Mais je veux pas qu'on parle de... J'ai fait un livre où justement, j'ai pas voulu faire, comme tous les comédiens ou comédiennes, qui racontent leur tournage, les noms. Il n'y a pas un nom, à part vous avez dit Bénichou. Bon. Oui. C'est le seul qui est... Mais non, jamais Ardisson n'est nommé. Ah, quand même, on comprend. Mais pas du tout, qu'est-ce que tu racontes? Donne-moi ça. Mais non. Rendez-moi mon livre, je l'ai acheté. Mais non. Non, je veux dire pas là. Il y a un moment. Non. J'ai inventé un personnage, la petite noire, la voisine. Ça, j'ai bien compris, la voisine. Elle parle de moi. Elle dit, je n'aime pas cette comédienne, c'était pas tellement ma tasse de thé, c'est juste si elle me connaissait, mais elle m'avait un petit peu, je sais plus comment je dis ça, elle m'avait un peu frappé parce qu'elle avait envoyé un verre d'eau à la tête d'un, mais pas, elle n'a pas dit Ardisson. Non. D'un journaliste, c'est tout. L'enfant, c'est que c'est lui. Mais pourquoi on le pense? Parce qu'il n'y en a pas d'autres. Parce que j'étais la seule à faire ça. Ah oui. Ah bon. Quasiment. Mais il le méritait. Il y a eu Mia Jojovic aussi qui l'a fait. Non, il le mérite bien sûr, mais ça l'a amusé, c'est le délire. J'ai essayé de trouver. Je n'ai jamais rien pris au sérieux. Cette question d'âge m'exaspère. Ah. Je dois dire que ça m'exaspère. Ah, voilà. Là, on est au cœur du livre. Là, vraiment, mais c'est pas le livre. Hein. Parce que toute ma... Dites attention, chapitre 12. Vous racontez, en sortant du cinéma, un monsieur me rattrape. Ah bah oui, c'est drôle. Madame, permettez-moi de vous dire, vous ne changez pas. Et là, vous écrivez, ciel, mais alors comment il me voyait avant? Effectivement, il y a des choses qui sont drôles. Parce que les gens, tant qu'il y a que depuis 2 ans qu'on me parle de mon âge, et avant, jamais. C'est agaçant, ça. Agaçant parce que ça veut rien dire, quoi. Alors, moi, j'oublie alors la question de l'âge. Vous regardez quand même beaucoup la télé? Non. Alors, quand vous la regardez, en tout cas, vous ne décrochez pas. Je le raconte, oui, voilà. Je le dis, mais
C'est un livre, c'est une histoire. Ouais. On peut raconter une histoire sans prétendre être un écrivain. Il y a du vrai et du faux là-dedans. Oh, il y a beaucoup de faux. Bon. Il y a plein de choses inventées. Dites, j'ai vraiment trop tendance à ressasser les choses du passé ces derniers temps. Est-ce que c'est vrai, ça? Ouais. Ça, c'est vrai. Je me déteste quand je suis vautré devant la télé. Je trouve ça lamentable et moche. Oui. Ça, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Bon. Alors, je ne vais pas regarder la télé, je vais l'allumer, mais sans la regarder, vous écrivez, pour bien lui manifester mon mépris. Ça, je trouve ça très drôle. Je vais rester sur la terrasse, m'allonger dans mon hamac, déguster une coupe de champagne et fumer un petit pétard. Oui, ça, c'est vrai aussi. Oui. Très bien, ne faites pas comme elle. Ah non, on peut mourir jeune. Vous avez vu ce qu'elle fait, docteur? Le champagne? Non, le pétard. Ah, bon, en tout cas, c'est un bouquin qui fait rire, mais vous ne m'avez pas laissé terminer ma question. C'est après toutes ces déclarations sur le côté « Oh, ce métier, ceci, cela, j'en ai marre, et puis là, le théâtre, j'ai le trac, etc. » Est-ce que finalement, vous n'avez pas envie de remonter sur scène? Non. Mais en revanche, s'il y avait quelque chose d'intéressant au cinéma, ou un truc à la télé, oui, mais intéressant. Une série télé, mais s'il n'y a pas... Ah non, les séries, j'aime pas. S'il n'y a pas la chikungunya, par exemple, comme lors du dernier tournage à la... Ah oui. À la Réunion. Ouais. Ça avait été terrible, quand même. Bah oui, le tout était terrible, le film et puis la... Oui, tout. Ah non, c'était sur France 2, le film. Bah et alors, je dis, c'était pas une réussite. Oui. Si vous pouvez, parce que c'est notre chaîne. Ah, c'était très bien, Les Secrets du Volcan. Vous acceptez quand même qu'on reparle un peu de votre carrière et de votre parcours, Maria? Oui, si vous voulez. Bon, au départ, vous appeliez Simone Pacôme. Mmh. Simone, Maria, Christine, c'est mes trois prénoms. Et pourquoi vous avez choisi le deuxième prénom au bout d'un moment? Parce que ça a été très vite, d'ailleurs, c'était à l'âge de 12 ans. J'avais une autre petite cousine qui s'appelait aussi Simone. On a dit, on va prendre le second prénom, Maria. Et alors, j'ai été Maria, voilà, il y a très longtemps. Votre papa était garagiste, militant communiste. Ouais. Il a été déporté dans les camps pendant la Deuxième Guerre mondiale. Votre frère aussi, âgé de 19 ans, qui a été fusillé par les Allemands. Et ça me fait penser à une actualité du moment, la fameuse lettre de Guy Môquet. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Maria Pacôme? Est-ce que c'est bien qu'on la lise dans les écoles? Non. Ah. Non, je vois pas. Je vois pas pourquoi on lise. Il y a des lettres bouleversantes. Celle de mon frère était bouleversante aussi. Toutes les lettres de ces mômes qui ont été fusillés sont absolument bouleversantes. Ça, c'est un prétexte, c'est un truc. Guy Môquet, ce pauvre gosse. Bien sûr, c'est terrible, mais lire ça comme ça, s'en servir, ça m'énerve. Alors, vous racontez comment vous avez démarré dans les cours de théâtre. Vous avez regardé dans un journal les noms et adresses des cours et vous avez choisi au hasard un cours de théâtre. C'est comme ça que ça s'est passé? Oui, effectivement, cours Simon. C'était cours Simon. René Simon vous a appris beaucoup de choses ou pas? Oui, c'était très sympa. Non, c'est en juin qu'on apprend les cours. Un an plus tard, vous faites la connaissance d'un jeune et beau comédien, votre premier et unique mari. Vous en parlez d'ailleurs souvent, jamais en citant son nom, mais en disant comment vous dites d'ailleurs mon premier exactement dans le livre? J'ai mon premier, je ne sais pas pourquoi j'ai le premier, étant donné j'en ai eu qu'un. Voilà, ça revient ça dans le livre. Bon, pourquoi vous regrettez d'en avoir eu qu'un? Oh non, mais parce que j'écrivais comme ça, je dis pourquoi j'ai mon premier, j'en ai eu qu'un, mais ça fait partie de... Voilà. Ça, c'était un coup de foudre, vous êtes marié rapidement, et pour un homme, vous avez été capable de dire « j'arrête ce métier ». C'est-à-dire qu'on... Tous les deux, on voulait arrêter. Ah oui. Tous les deux. Déjà? On voulait... Ah oui, on l'a... À peine vous aviez commencé. Ah oui, c'était formidable d'ailleurs, c'était extraordinaire. On n'avait pas mépris pour ce métier, loin de là, mais on voulait faire autre chose. Et on voulait aller à Moussier-Sainte-Marie, on y est allé d'ailleurs, pour retrouver la vieille terre de Moussier, enfin bref. Et vous êtes mis à peindre. On était fous, on était 6, 7 jeunes fous comme ça. Vous êtes séparé de Maurice René 6 ans plus tard. Une séparation amicale, vous dites, ça s'est très bien passé. Élégante. Voilà. Ah, élégante, c'est pas tout à fait pareil. C'est très différent. Alors racontez, c'est quoi la différence entre amical et élégant? Ça peut pas être amical, c'est douloureux. Alors, si ça peut rester élégant, c'est pas mal. Là, vous êtes parti 6 mois, là, il y a un blanc, un peu comme, c'est pas une affaire politique, un peu comme... Au Canada. Voilà, c'est comme Jacques Vergès, vous voyez, pendant un moment, on sait pas ce qu'il a fait, vous. 6 mois au Canada, on sait pas ce que vous avez fait au Canada. C'est ça, ça a déclenché quelque chose, dans ce sens que j'avais commencé avant, après Maurice, là, j'avais joué une pièce dramatique, une pièce d'Hugo Betti, qui est vraiment pas, t'es pas un auteur guilleret. Et puis j'ai pensé, j'avais eu de très bonnes critiques, mais je pensais, parce que je suis toujours très très crédule, que ça y est, j'étais lancée. Mais je suis impatiente. Alors comme j'étais pas lancée, que ça durait un petit peu, c'est-à-dire 2 mois sans doute, et alors là, j'avais un copain qui était au Canada, et qui m'a dit, ici on peut travailler, on peut faire... Et je suis partie même en tant qu'émigrante, c'est vous dire, je fais pas les choses à moitié. Ah oui. Oui, j'allais là-bas, et là-bas, j'étais... lui, il travaillait un petit peu déjà, j'étais au théâtre du Rideau Vert, Et la directrice du théâtre du Rideau Vert, c'est là où j'ai eu de la chance, souvent. Souvent j'ai eu de la chance.
sans faire un effort. Elle avait vu deux pièces à Paris, elle avait été à Paris, elle a vu La Reine et les Insurgés, une autre pièce. Et pour elle, j'étais une vedette, puisque j'avais un rôle très important, aussi important que celui d'Edith Feuillère. Ouais, elle m'a engagée pour jouer Monsieur de Falindor, et c'est là où j'ai commencé à être drôle, parce que Monsieur de Falindor est une très jolie pièce. D'ailleurs, je suis un peu étonnée qu'on ne remonte pas cette très jolie pièce. Quelle était. Drôle, vous l'êtes resté et devenu définitivement, en tout cas dans la tête des gens, à partir d'Oscar. Là, vous êtes revenu à Paris, on est en 59. Oui, c'est Oscar, parce que la vraie création d'Oscar, c'était Belmondo, Paco, Mondi. Ah, voilà. Et après, 10 ans après, il y a eu De Funès, avec moi aussi. Avec vous aussi. On a un extrait de la version avec De Funès, regardez. Ta fille a un amant, moi aussi. Ah enfin Bertrand, je dis moi aussi, j'ai à te parler. Bon alors, vas-y, je t'écoute. Ta fille a un amant. Enfin, c'est moi qui viens de te le dire. Je ne savais avant que tu me le dises. Bon alors, tu sais sans doute aussi qu'elle attend un enfant. Mais bien sûr, mon chéri. Absolument pas. Enfin, Bertrand, c'est le sort de toutes les femmes. Écoute. Ah, bravo, tu as le sais. Ah, dis donc, tu vois là, oui, c'est clair. Dis donc, tu m'avais bien dit que ton fiancé devait venir ce matin pour te demander en mariage. Mais non, papa, c'est le contraire, c'est toi qui m'as dit qu'il était venu. Ah, oui, c'est vrai, c'est moi. Bon, attention, non, mais attendez une seconde. D'abord, qui est-ce? Bah, tu sais aussi bien que moi, puisqu'il est venu te demander ma main, enfin. Non, mais je veux t'entendre prononcer son nom de ta propre bouche pour m'amuser, pour savoir. Passe. Qui est-ce? Allez, dis-la, papa. Bon Dieu. Qui est-ce? Ne la bouscule pas, dis-la. Enfin, qui est-ce? C'est Oscar. Oscar? Mais qui c'est, Oscar? Voyons, Bertrand, tu n'as plus aucune mémoire. Oscar, c'est ton chauffeur. Ça vous amuse encore? C'est un. C'est un jeu un peu excessif. Oui, mais c'est, oui, mais c'est un oui. C'est ce qui a fait votre succès. Oui. Ah oui. Alors, il y a eu votre fils qui a joué avec vous sur scène. Vous avez eu cette chance. Oui, une fois, oui. Et il jouait votre petit-fils sur scène. Oui, dans Et moi et moi. Ça, vous avez accepté ça facilement? Oh bah oui, c'était marrant. Regardez oui. Encore. Ça y est. Quoi? J'en ai trouvé une. T'en as trouvé une, bonhomme. Tu vois comme je suis désolé. Je l'ai essayé. Il l'a essayé. Comment tu causes? Il a eu son coup. Vous avez de ces expressions. Je l'ai essayé. Elle est mignonne. Oh, mignonne, ça veut rien dire, ça mignonne. Dire, oui. Elle est superbe. Superbe. Elle est superbe. Je le vois là qu'il est. Tu me l'as décrit. Elle est toute rouge. Avec les échappements qui remontent comme ça, tout chromé. Et les cylindres qui dépassent de câbles, ils sont énormes. Tu me parles d'une moto, là. Mais enfin, Jo, évidemment, je te parle d'une moto, t'avais promis. J'ai promis, gna gna. Tu me l'as arraché, la promesse, enfin. Ça doit être un plaisir, quand même. Ah oui. De jouer avec son fils. Maintenant, c'est lui qui a dessiné la couverture de mon livre, aussi, là. Je la montre. Ah ouais, parce qu'il dessine admirablement. Maintenant, il dessine qu'à ça, maintenant. C'est vous, dans votre cabriolet, alors? Ouais. Moi, je me demande comment vous conduisez encore, pardon de vous dire ça, Maria, je ne dis pas ça à cause de votre âge, je dis ça parce que ça fait quand même 30 ans que je vous entends dire que vous conduisez comme une folle. Ah oui. Bon. Et donc, vous continuez à conduire comme une folle, mais une folle âgée aujourd'hui. Non, mais pardon, mais... Non. Vous me faites rire parce que vraiment je trouve. Mais c'est parce que je l'ai raconté drôlement. C'est bah oui, bah, stable, il faudra... je peux pas. Écoutez, je ne peux pas le raconter aussi bien que vous l'écrivez. Ah, ça c'est gentil. Parce que c'est exact. Quittons le théâtre pour le cinéma. Là, ça a été plus compliqué pour vous, le cinéma, vous le racontez hein, vous-même. Ouais. Vous dites, vous n'avez pas été assez appelé non plus pour le cinéma. Mais non, mais j'ai rien fait pour. Voilà. Mais je le dis d'ailleurs, je le dis ça. Je ne sais pas, je comprends que j'en parle d'ailleurs. Hein. J'ai exactement la carrière que je mérite. Plus ça aurait été injuste. Jamais, j'ai jamais téléphoné. J'ai jamais tiré un cordon de sonnette. J'ai jamais tiré un coup. Jamais. Jamais rien fait pour ça. Jamais. Le premier film, c'était Les Jeux de l'amour de Philippe de Broca, vos tout débuts, c'est ça? Ah oui. Ah, ah ouais. Un beau souvenir avec Philippe. Oui, puis après, j'étais enceinte quand je suis partie en Chine. C'est quoi ça? Ah oui, Les Jeux de l'amour. Le premier truc que j'avais fait, ouais. Ah ouais, un tout petit rôle, mais c'était marrant. Vous avez aimé ça, le cinéma. Moi, dans les films que je retiens, il y a quand même... alors, Le Distrait avec Pierre Richard, c'était pas mal, ça. Ah oui, j'adorais, mais hein, oui. Ça, Bon baiser à lundi avec Michel Audiard comme réalisateur. Ouais. Non, moi. Ah, Bon baiser à lundi, oui, très bien, je confondais avec un autre. Les tribulations d'un Chinois en Chine. Génial. Oui, c'était sympa. Oui, c'était sympa parce que j'étais en plus, j'avais le gros ventre, j'étais enceinte de François. Tendre voyou. Non, moyen. Bon. Avec Jean-Paul, quoi. Le gendarme de Saint-Tropez.
Oh, mais j'ai jamais tourné dans le gendarme de Saint-Tropez. Ah. J'ai fait une petite... Mais j'étais en vacances. J'étais en vacances à Saint-Tropez, ou je crois à Saint-Tropez ailleurs. Et ils étaient en train de tourner. Et le metteur en scène que je connaissais me dit, tu peux faire une petite connerie, là? Effectivement, c'est une petite connerie. Et depuis, on me dit que j'ai... Mais j'ai jamais tourné. J'ai fait que ce truc-là. Bah, dans le premier, vous étiez dans le premier. On vous voit dans le premier. Alors après, les gens croient que vous êtes dans... le premier? Ah oui, le gendarme de Saint-Tropez, c'était le premier, oui. Les Soudoués? Ah, là, beaucoup, ça m'a beaucoup amusé. Pour Daniel Auteuil? Oh, j'adore. Que vous retrouviez... Daniel, que... jamais je n'ai... J'ai d'autres comédiens super avec qui j'ai joué, bien sûr, au combien, mais ça, celui-là, ça a été... On était malheureux quand on s'est séparés. Ah, ouais. Le bel regard... été 1914, film ah, de... Ah ouais, avec le, de Challonge. Voilà, Christian de Challonge. Ah, ouais. Ça, c'était un rôle différent. Oui, c'est un rôle différent, mais c'est un film raté. Bon, bah, j'ai pas de chance, alors. Hein. Bon. Vous êtes... Bientôt grand-mère, vous en avez parlé. Oui, je l'ai dit d'une manière un peu brutale. D'ailleurs, je suis très contente de m'en parler. Vous allez rectifier, regardez d'abord. Vous savez depuis 3 jours que vous allez être grand-mère pour la première fois de votre vie. Oui. Quel effet ça fait? Moi, j'en ai rien à foutre. Pourquoi? Parce que c'est trop tard. Il fallait qu'il me fasse ça il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Même s'il en fait une autre maintenant, mais enfin, il aurait pu se prendre plus tôt. Alors là, parce que j'aurais parlé. Oh là, j'en aurais raffolé. Oh non, mais enfin. Vous me voyez déjà, faut qu'il naisse, c'est dans 9 mois. Hein. Bon, déjà, j'aurai un an de plus, moi. Qu'est-ce que je vais avoir dans les bras? Je vais être comme une dame, sans doute, comme toutes les bonnes. Oh, petit, oh, qu'il est bon. C'est pas alors, ça. Qu'est-ce que vous voulez corriger? J'étais contrarié. J'étais un peu contrarié parce que c'est un excellent journaliste qui m'a fait cette interview, que j'aime beaucoup, mais c'est un... Bon, il a fait très bien son boulot de journaliste, mais c'était un peu brutal. Ma réponse. Et je sais que j'ai pu blesser mon fils et ça m'ennuie beaucoup parce que j'ai rajouté en plus, et ça a été coupé, ça, que j'étais heureuse pour lui. Voilà, mais c'est un peu brutal d'entendre vous avez une grand-mère, je m'en fous. Hein. Ouais, c'est moi, ça, d'un seul coup, cette espèce de spontanéité un peu brutale que j'ai quelquefois. Voilà. Juste une dernière phrase de votre livre, et on va conclure avec ça parce que ça résume bien la difficulté certainement que vous avez eue, si c'est vrai, parce que vous dites. Écrire, c'est bien la chose la plus douloureuse qui puisse être infligée à quelqu'un qui n'a pas la plume facile. Oui. Ça veut dire que vous avez eu du mal à l'écrire, ce livre ? Non, c'est une phrase. C'est une phrase que je trouve jolie. Ah. On s'en sortira pas. Dernière question qui vous sont adressées, Maria Paco. Vous avez le choix entre deux de ces personnalités. Alors, Vincent McDoom, Shirley, Dino ou Hugo Frey ? Hugo Frey. Hugo Frey, c'est parti. Chère Maria Pacôme, malgré votre immense carrière, vous n'avez jamais obtenu aucune récompense, ni Molière, ni César, ni... Si, peut-être une petite nomination. Alors, la question est la suivante. Est-ce que c'est à cause de votre comportement, votre paresse, ou bien simplement parce que ce sont des... Enfin, disons, des imbéciles, quoi. Pour répondre à ça. Ah oui. Ah non, d'abord, pourquoi ils minimisent... J'ai eu un César. Non, une nomination. Une nomination. Pour la crise. Non, je dis nominé. Je voulais pas y aller. D'ailleurs, j'en parle dans le livre. C'est François, mon fils, qui a insisté. J'en ai eu 4 nommés pour le théâtre. J'ai jamais été. Je n'aime pas ces cérémonies-là. Mais c'est pas. Je sais pas pourquoi. Je les aime pas. Donc, je voulais pas y aller non plus. C'est François qui a insisté. Et je me suis bien juré. C'est très désagréable parce que. C'est très désagréable, cette chose. C'est très désagréable parce que on est là dans son fauteuil, on attend. Et c'est pas vous. C'est pas vous. Et tu sais plus quelle attitude prendre. C'est très désagréable. C'est une chose ridicule, ces prix, ces trucs qu'on distribue comme et ça. Et si vous donnez à Molière hommage à votre carrière, là, vous iriez pour le recevoir quand même. J'essaie de souffler l'idée à ces Ah, un hommage à ma carrière, quelle horreur. Non. Oh, jamais. Non. Oh non. Oh. Oh non, non, j'irai pas, je veux pas ce genre de... Je n'aime pas ces on choses-là. On vous appellerait, on dirait Maria, vous n'avez jamais eu de Molière, on aimerait vous en donner un, venez le recevoir. Et pourquoi on me donnerait un Molière gratuitement comme ça? Parce que j'en ai jamais eu, puis quoi encore? Ça se fait. Je n'ai jamais eu de Molière. Ça se fait. Pas avec moi. Pas avec moi. Maria Pacôme, telle qu'elle, dans le livre... Qu'ici, c'est très drôle. Maria, sans Pacôme, on cherche midi. Merci Maria, tu reçois votre place.